J'espère que toi, là, toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va ultra méga bien. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter un haul, non pas action, mais un haul Nose. Oui, donc Lélou, j'ai été à Nose et comment te dire que j'ai quand même craqué mon slipounet. Oui, bientôt, tous mes slips vont se transformer en string. Oui, ils vont se transformer en string. Ils vont tellement péter de tous les côtés, tellement je craque mon slip, c'est le cas de le dire, que du coup, je serai obligée d'aller à Action pour me racheter des slips. Ah bah écoutez, c'est comme ça, les loulous, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis faible, je suis faible. Donc les loulous, comme je vous l'ai dit et comme le titre l'indique, je vais vous présenter mes achats de chez Nose. Donc je vais prendre comme ça me vient, les loulous. S'il y a les prix, je vous le dis. S'il n'y a pas les prix, je vous l'indique. Vous avez l'habitude. Alors. Oh, c'est tout doux, tout doux, tout doux. C'est la vie avec Myrlène. Donc, les loulous, j'ai pris ça pour ma puce. Voilà, un petit plaid. Tout beau, il est rose comme ça, très très clair, un peu en sorte de rose poudré. Donc, c'est un plaid extra doux. Et franchement, il est super doux. Il fait 125 cm par 150 cm. Oui. Et donc, je l'ai payé. Là, il y a le prix, il y a le prix, il y a le prix. Je l'ai payé 4,95 €. Alors, comment vous dire que dès que je l'ai vu, blub, 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 je l'ai pris parce que ma puce n'arrête pas de me piquer mes plaids à moi. Et Paula, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle s'énerve parce que des fois, moi, je suis devant la télé, j'ai froid. Oui, même avec mon peignoir, j'ai froid. Et je veux une couverture. À chaque fois, je suis obligée d'aller voir Angie, ma couverture, mon plaid. Donc, comme ça, elle aura le sien. Ensuite, j'ai pris des petits Pringles. Comme ça. Donc, là, je pense qu'il y aura une vidéo dégustation qui va sortir dans pas longtemps de tous ces produits-là. Oui, des produits de chez Nose. Donc restez connectés les loulous, je sais que vous adorez les vidéos dégustation. Normalement, je devais la tourner là maintenant, mais ma fille n'est pas là. Oui, elle a un exposé à faire, elle est partie chez sa copine. Oui, pour faire son exposé. Bah, écoutez, c'est comme ça. Donc, bah, ma foi, comme je sais que vous adorez la voir en vidéo, donc je vais l'attendre et peut-être filmer la vidéo demain. Voilà, donc on a pris des Pringles. Alors ceux-là, on ne connaît pas. C'est des chicken, oh, chicken tikka masala. Voilà. Donc, il y a 180 grammes, ma foi. Donc, on va goûter. Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Non, il n'y a pas le prix. Bah, je vous l'indiquerai quelque part, hein, les loulous. Ensuite, pareil, vidéo dégustation. Alors, j'espère que c'est bon parce que c'était vendu par 3. Si c'est dégueu. Voilà. Donc, on a pris ça. Mais je pense que ça va être bon parce que moi, j'adore ce type de gâteau. Donc, c'est des mini crostata con crema cacao. Voilà, tout simplement. Alors, il y a de la crème de cacao. Donc, c'est marqué qu'il y en a 3, mais 2 sont offerts. Donc, bah, écoutez, ma foi, c'est de la marque Piu Buono. Voilà, tout simplement. Donc, on va goûter. Voilà, on va goûter dans la vidéo dégustation, les loulous. Et puis, on vous donnera notre avis, tout simplement. J'ai pris ça. Alors, il y avait en format, en grandeur comme ça, et il y avait plus petit. Moi, j'ai pris celui-là pour mettre mes petits spaghettis. Donc j'ai trouvé trop mignon avec le petit bouchon comme ça en liège. Et donc c'est du verre, c'est pas du plastique. Et j'ai payé ce petit pot 3,99 €. Et il y a 2000 ml, donc 2 litres. Voilà, comme ça. Donc ça c'est top pour mettre mes petits spaghettis. Parce que moi j'en ai un là, il est un peu en métal. Il me sort par les yeux, donc je me suis dit, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris ça, pareil, vidéo dégustation. Donc, c'est des bonbons, bonbonnes de cacao. Voilà, donc c'est sans gluten. Voilà, il y a de la noix de coco, on dirait, dedans. Ouais, c'est à la noix de coco, en fait. C'est des petits trucs comme ça, de noix de coco enrobées de chocolat. Donc, ça, pareil, vidéo dégustation. Ensuite, j'ai pris ça et il doit y avoir une autre. Oui, elle est là. Alors ça, pourquoi j'ai pris ça? Parce que, est-ce qu'il y a le prix? Non, il n'y a pas le prix, je vous le mettrai sur écran. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement des pailles au chocolat. Et en fait, vous voyez, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et en fait, vous savez, quand vous faites, je ne sais pas moi, un bol de lait, et ben vous mettez la paille à l'intérieur du bol ou du verre de lait. Et puis, bah, vous buvez votre lait et en fait, la paille, étant donné qu'elle est au chocolat, et ben, du coup, le lait, quand vous le buvez, bah, il a un goût un peu au chocolat. Vous voyez, ça fait un peu comme un chocolat au lait. Voilà. Et du coup, bah, j'avais envie de tester. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5,
Vous en avez 5 dedans. Voilà. Donc, bah écoutez, ma foi, on va tester, on va tester. Donc, j'ai payé ça, le sachet, 79 centimes. Et puis, je pense que oui, ça se mange, hein, c'est au chocolat. Donc, une fois que vous buvez votre lait, vous mangez la paille. Ah bah écoutez, hein, on ne gâche rien, les loups, on ne gâche rien. Donc ensuite, j'ai pris ça, parce que vous savez, moi, mon amour pour les barres de céréales, j'adore ça. Donc celle-ci, c'est de la marque Kellogg's Extra, c'est aux amandes grillées et miel. Ça doit être une tuerie. Vous en avez 4 à l'intérieur. Voilà. Donc ça, j'ai payé 1,49€. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. 1,49€, les petites barres de céréales. Ensuite, j'ai pris ça. Regardez comment c'est trop mignon. Voilà, un petit cadre avec un petit... on dirait que ça fait comme une chaîne. Vous voyez, une chaîne comme un bijou. Avec des petites pinces à linge comme ça, toutes petites. Et pourquoi j'ai pris ça? Pour ma fille, parce qu'elle a craqué dessus. Elle m'a dit, maman, comme ça, je pourrais l'accrocher dans ma chambre avec les photos de mes copines, etc., etc. Je dis, vas-y, prends-le. De toute façon, pour le prix, hein, combien j'ai payé ça? 1,99€. Voilà, 1,99€. Ensuite, les loups, j'ai pris ça. Donc ça, c'est pour ma puce. Voilà, pour ranger ses petits cotons, des petits cotons-tiges, ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez vu mon haul action. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Je vous le mettrai. Ouh là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Dans le petit, n'hésitez pas à aller le voir. Et vous verrez, je vais acheter une petite étagère en forme d'échelle. Et c'est là où elle mettra tous ses produits de soins, beauté, etc. Et en fait, elle m'avait dit, tiens maman, c'est pas mal ça pour mettre dessus et tout, avec des cotons, etc. Donc, bah ma foi. Hein. Donc, j'ai payé ça 1,99€. Donc, c'est pas cher du tout. Je vais vous le montrer, les loulous. Hein. Ah, bah attendez, soyons fous. Donc voilà, ça se présente comme ça, dans un petit sac plastique. Donc, il y avait d'autres modèles. Hein. Il n'y avait pas que celui-là, il y avait d'autres modèles. Donc voilà, ça se présente comme ça, avec le petit couvercle. Et là, elle peut mettre ses petits cotons, des petits cotons tigés ici, si elle veut. Il y a même 2 petits compartiments ici. Donc ça, c'est top. Et ensuite, elle ferme. Comme ça, ça reste à l'abri de la poussière. Donc ça, c'est... génial. Donc pour 1,99€, les loulous, parce qu'en général ces trucs comme ça en plexi, c'est pas donné, hein. C'est pas donné du tout. Ensuite, elle a voulu prendre ça, voilà, pour délirer avec ses copines, des petits faux ongles comme ceci. Donc ça, c'est vraiment 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 pour la déconnade quand il y a ses copines qui viennent à la maison, pour voilà, pour se déguiser, etc. Donc ça, elle a payé ça 1,50€. Donc vous avez les faux ongles, la petite colle, et là, ici, vous avez plein de petits de petites paillettes, comme ça. Voilà, donc elle a pris ça. J'ai pris les loulous. Alors, la dernière fois chez Noz, j'avais pris du dentifrice goût noix de coco. Une tuerie, une tuerie. Et là, j'en ai pas revu, mais j'ai vu celui-ci au citron. Voilà, du Colgate, comme ça. Donc, c'est naturel. C'est marqué Natural Extract. Fraîcheur ultime. Ça a l'huile de citron et extrait d'aloe vera. Donc, ma foi, bah écoutez, hein, je vais tester. Fraîcheur ultime, c'est ce qu'il y a de marqué. Donc, je vais tester. Je vais tester. J'ai payé ça combien? 1,51€. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. 1,51€. Ensuite, j'ai pris ça. Oui, pour ma petite merveille. Donc, c'est des petits sticks. Donc, ceux-là, ils sont quand même assez gros comparé à ceux que j'achète régulièrement chez Action, etc. Mais ils sont plus petits. Voilà. Donc là, vous en avez 3 plus 1 gratuit. Donc là, c'est au canard, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, canard et lapin. Et là, est-ce que c'est pareil? J'ai pris pareil ou pas? Oui, canard et lapin. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez la photo, voilà, du stick. Donc ensuite, ma fille a pris ça, un Sanex, un petit déo comme ça de la marque Sanex. Alors ma fille, le souci, c'est qu'elle a testé pas mal de déos. Et en fait, elle est allergique. Ça lui fait plein de boutons et ça la gratte en fait sous les bras. Et du coup, j'ai vu celui-ci, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, parce que c'est marqué 0% d'aluminium et 0% d'alcool, non allergène, et il dure 24 heures. Donc ma foi, elle va tester, hein, elle va tester. Par contre, j'en ai déjà pris un, je sais plus de quelle marque,
Mais sans alcool, pareil, elle m'a dit, maman, ça me gratte aussi et tout. Donc au pire, bah, si vraiment elle le supporte pas celui-là, elle me le donnera. Et puis j'essaierai de lui en trouver un bio. Peut-être que là, ça ira. Donc voilà, de la marque Sanex. Est-ce qu'ils sont bons? J'ai même pas senti. Ah oui, ils sont très très bons. Ils sont très très bons. Donc voilà, ma foi, hein, elle testera, elle me dira ce qu'elle en pense. Voilà, c'est un petit déo comme ça, bille. Voilà, tout simplement. Donc, un peu, je vous ai dit le prix, je sais plus, 1,49€. Ensuite, les amis, donc ça, c'est ma puce qui a pris ce petit masque pour elle. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Masque visage lumineux, appliqué sur la peau, laissez agir pendant 10 à 15 minutes, retirez avec de l'eau tiède, évitez tout contact avec les yeux et les lèvres. Utilisez 2 à 3 fois par semaine. Bon, elle, les masques, elle les fait qu'une fois par semaine et c'est le dimanche avec moi. Tout à l'heure, quand elle va rentrer de chez sa copine, vu qu'on est dimanche, on va se faire notre petit rituel masque. Oui, elle fait les masques qu'une fois par semaine. Donc ça sera nickel. Donc, ils disent que c'est naturel à 98%. Donc, c'est de la marque Deba Pure Clay. Voilà, comme ça. Ensuite, les amis, moi, j'ai pris ça pour moi. Voilà, de la marque Le Petit Marseillais. J'adore, moi, cette marque-là. C'est un après-shampoing. Blond ensoleillé, camomille et miel de fleurs. Pour les cheveux blonds à châtain clair. Donc, élimine et ravive les reflets blonds et il est sans sulfate. Donc, j'ai payé ça 1,25€. Et il sentait super bon, vous voyez? C'est un peu comme ça. Vous voyez? Donc, bah écoutez, ma foi, je vais le tester, hein. Et je vous dirai ce que j'en pense dans mes produits terminés. Ensuite, les amis, pareil, vidéo. Oui, je suis là, je suis là. Vidéo dégustation. Alors, on a pris ça. On ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc, c'est de la marque Virginia. Chocolat Blanco. Donc, chocolat blanc et caramel. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pareil, il n'y a pas le prix dessus. Je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Ouais, il parle. Ah, si, c'est marqué là. Thauron au chocolat blanc, au caramel et réglisse. Oh là, le réglisse, j'ai horreur de ça. Oh, ça promet la vidéo dégustation, les loulous. Je déteste le réglisse. J'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Ah, bah, ça va être rigolo. À mon avis, le réglisse, ça doit être les petits trucs qu'il y a à l'intérieur. Ouais, je sais pas, on va goûter. Mais à mon avis, vous allez rigoler quand vous allez voir ma tête, les loulous. Oui. Ensuite, les amis, j'ai pris ça, deux petites palettes que j'ai trouvées trop mignonnes. Donc, je les ai payées 1,99 chacune. Voilà. Donc, c'est de la marque Georges. Four Shade Highlighter. Donc, ça, c'est une palette d'highlighter. Et ça, c'est pour le contouring. Vous voyez? Donc, je vais vous la montrer. Elle était trop belle. Elle se présente comme ceci. Et regardez les highlighters, comment ils sont trop beaux. Trop trop beau, donc elle est comme ça. Donc il n'y a pas de miroir, mais ça, moi, le miroir, je m'en tamponne le coquelicot. Et donc, ça, celle-ci, c'est une palette pour le contouring. Voilà, vous voyez? Donc, les loulous, je vais essayer de vous faire des swatchs de la palette contouring. Alors, là, c'est la palette contouring. Je vais vous la mettre là. Ah ouais, même là, les deux, là, ça peut faire même office d'highlighter en fait, hein. Vous voyez? Par contre, les autres, ouais, je trouve que c'est pas assez, assez pigmenté. Je vais réessayer de la faire, mais de refaire le swatch pour les deux autres, mais ouais. Ouais, si ça va quand même. Ouais, si ça va quand même. Donc là, maintenant, les loulous, je vais vous faire avec la palette de highlighter. Comme ça, vous verrez au niveau de la pigmentation. Hop. Hop. Alors. Ah oui! Il est beau celui-là, là, un peu rosé, même celui-là. Ah ouais, trop beau. Trop, trop beau. Bah écoutez, ma foi, je suis super contente pour 1,99€. Si vous les voyez, franchement, pour le prix, foncez les loulous, foncez. Foncez, foncez, foncez. Donc là, il y a mon ticket de caisse. Tout joli, tout mignon. Donc voilà les loups, bah écoutez, cette vidéo haul nose est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez un nose par chez vous. Quelles sont vos nouveautés que vous avez dégotées? Parce que moi, je suis curieuse et j'adore partager et échanger avec vous. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker également si vous voulez d'autres vidéos nose. Mettez des pouces en l'air. Oui,
parce que ça motive et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, si toi là tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et moi là, bah je suis très contente. Oui, je suis très contente. Sur ce, les loulous, je vous fais d'énormes gros bisous d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. Et puis bah quant à toi et quant à moi, bah écoute, on se retrouve très bientôt, oui, pour une prochaine vidéo, ici même, dans ma chambre, devant ma coiffeuse, si tu le veux bien, bien entendu. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Bye bye.